Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous, pour les musulmans, pour les juifs et tous les autres infidèles. Bonjour à tous, c'est le samedi 10 septembre. Nous sommes dans l'octave de la Nativité de la Très Sainte Vierge. Confions au cœur immaculé de Marie notre ardent désir de voir tous les hommes réunis dans la même foi, la même espérance et le même amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'agenouille pour les prières. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous et pour les pauvres infidèles. Je me lève. Merci de votre participation à l'œuvre de piété pour la conversion des musulmans, des juifs et de tous les infidèles. Soyons persévérants. Disons ces prières et l'invocation chaque jour, en attendant de nous retrouver pour les dire ensemble, samedi prochain, le 17 septembre à 9h. Je vous souhaite une bonne journée et un saint dimanche. Au revoir.